Donc voilà, nous sommes ici à Togoville. Nous sommes ici à Togoville. Là, vous voyez le lac Togo. On vous a toujours parlé de ça. Comme on l'a dit, c'est l'acte de naissance du Togo. Donc, oui, Nachtigal était venu ici avec des interprètes en anglais, ici à Togo. Voilà ce que les enfants, tous les jours, vous regardez cette pirogue qui arrive. Les gens sont bien entassés dedans. Vous pouvez même voir des motos. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est le génie africain. Ça, c'est le génie traditionnel. Ça, c'est le génie impeccable des gens qui ont construit ceci à partir du bois, à partir de l'arbre. Mais voilà ce que ça fait. Nous allons ensemble accueillir les gens comme ça dans une pirogue. Oh là là, vous venez ici. On va remonter dans la pirogue. On espère qu'il a deux casques, on espère qu'il a deux casques. Voilà, donc c'est ce qui se passe ici. Vous regardez là-bas. Regardez là, c'est ici qu'on célèbre la fête des uns. Quelque part en septembre, c'est ce qu'on va faire. Mais c'est ce qui se passe ici. Le courant, le lac, la vie, la vie. Voilà ce qui est en train de faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc en direct de Togoville. La vidéo. Allez-y. Oui. Ici, nous sommes dans le palais du roi Mapa.
Mlapa de Togoville. Mais aujourd'hui, celui qui est sur le trône, c'est le roi Mlapa VI. Mlapa VI. Écoutez, regardez ça. Regardez ça. Ça, c'est le jour même. C'est le jour même où ils sont venus. Oui, vous voyez la visite de docteur Gustave Nachigal et son cortège au roi Mensa Nyehu Mlapa III le 4 juillet 1884 à Togoville. Donc on me dit, ça c'est Nachigal lui-même. Oui, voilà le papa. Oui, voilà les interprètes aussi. Donc voilà le tour du mur. Vous voyez ça. Jusqu'ici. Voilà Gustave Nachigal lui-même. Vous voyez ça. Ça c'est le roi Mlapa III. C'est ça, 1872 à 1929. Et après lui, celui-ci est arrivé. Et celui qui est ici aujourd'hui, Mlapa VI, oui, celui-ci est décédé. On ne dit pas que le roi est décédé. Et moi aussi, c'est ce que nous disons. Mais 50 ans juste après, oui, Mlapa VI, Mlapa VI est là. Regardez comme il a été fait. Le musée, ça c'est très beau, ça c'est très joli. Mais nous allons revenir ici à Togoville, à la source de l'histoire, à la source de l'histoire, pour vous dire exactement comment les choses se sont passées. Et lorsque Nachigal quitta le Togo, venez avec moi. Regardez ça. Ils sont allés au Cameroun. Donc ici, vous avez Mlapa VI. Mais celui qui est au Cameroun aujourd'hui, le roi Nayantoukam de Bantoufam. Bantoufam du Cameroun. Vous voyez, il arrive aussi au Togo très bientôt. Lorsqu'on va célébrer la fête traditionnelle ici. Voilà, filigrane, ce qui se passe ici. Et nous allons revenir ici pour vous donner les détails à la source même, de l'histoire du roi Mlapa III ici. Et encore une fois, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui viennent de descendre de la pirogue. Vous pouvez mettre votre moto dedans, vous pouvez mettre vos marchandises dedans, vous pouvez tout mettre dedans. Oh, la nature, le meilleur ami de l'homme. Voilà. Donc, on vous dit au revoir. Là, le pirogier, c'est lui qui vient d'amener les gens. On va lui demander, papa, bonsoir. Voilà toutes les dispositions qui sont prises ici à Togoville, et pour la sécurité des gens, pour la sécurité des voyageurs. Et encore une fois, regardez le lac Togo qui a donné le nom de Togo. Voilà, nous invitons.